Ah, voilà, les CNRD, les voyous, les bandits, les mythos, le gouvernement des mythomanes. Le gouvernement des mythomanes. Ah, ça dit, les gens là, ils font pitié. Mais entre parenthèses, avant de continuer, ce que je vais dire à mes fans, avant de continuer, j'aimerais bien que vous m'appelez Agile le King 224 à partir de Dakar. Je veux parler ça en sous-sous. Asie le King, il rappelle au Horubran, life rabane, n'arafala, je te donne des conseils. Mbarafala, ibenu, la Guinée-Ka Mukoloma, Asie. La Guinée-Ka Mukoloma, Asie, la Guinée-Ka Kobi. Donc, life n'a pas au Horubran, si, Horubran, car Horu, c'est hier, non? Hier, oui, je pense hier. Life n'a pas au Asie. Pour te dire que n'arafala, ibenu, la Guinée-Ka Mukoloma. Ira finira relira Asie. Dimbaya ni ira Sénégal. Dini Guinée ni Dakar Asie. Dini ira. Sari iduna igiri Asie. Akolo onto un téléphone conseil na fi ma comme petit frère. Tu sais, je sais. Donc inu do dunia dede Asie akolo yawi hali prophète Mohammed yawi na fora. Nanara na gianas garabi Saudi. Ina to foti asile politique fait falamato asile king. Foti asile politique fait falamato, c'est grâce à l'islam. C'est grâce au prophète Mohammed comme il a fait ses ennemis les partis en Arabie Saoudite. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Nton woy may benton ira si fe. Peut-être ina ma yon on a ni attaqué fe na ngi kombi. Asia lou. Ira de mumori. Ira de hurun. Guinée ni ira imanyaron rimuna astafurla et tout. Fenyari ni masoto azi. Ibiri manyawon, ira gine nana lou ma irambira nu irade. Nde okipe ma irade ma azi. Azi a lou. Onu meri nu gere onu fatan. Ne makay makay rane mouima. Nyi sofe na ifan, exemple nara azi. Écoute ma très bien azi. Ya kolo onto wain nana on. Na gundo na itanunta nantagi. Preve fa na ira. Itanunta on na anfala. Telephone kui. Ina kola lo ito fama. Inakolum alo ito fama. Mais moi je ne suis pas quelqu'un ici là. Tu n'es pas mon ennemi. Asie, tu n'es pas mon ennemi. Je ne suis pas contre toi. Mais seulement je te donne des conseils et il faut te ressaisir. Maintenant regarde un exemple terre à terre Asie. J'ai fait mon direct là hier dans le train. Non? Hein? J'ai fait mon direct là hier dans le train. Aujourd'hui. Il y a des gens même qui m'ont amené encore d'autres dossiers concernant entre toi et Charles White. L'histoire de la femme de Charles White et toi là. Ils m'ont amené tout. En me disant même, lui-même, en me disant même de citer même son nom, que c'est lui qui était témoin de tout là. Ça ne m'intéresse pas. Tout ça là, nanan falam aïbe Asi, nan aïmou la Guinée-Ka Koulour Asi. La Guinée-Ka Kobi. La Guinée-Ka Kobi Asi. Nan falam aïbe, tu as l'avenir devant toi. Je t'ai dit en français, dans la vie, là, Asie, il y a trop de surprises. Il y a trop de surprises dans la vie. Moi qui te parle aujourd'hui, là, ici, là, il y a un Diakanké qui est à Nantes, où c'est Nantes, où là, il est mon témoin. Il est mon témoin. Quand je partais ici, là, étudier, là, les gens se moquaient de moi, que je suis devenu fou. Lui, il est mon témoin. En ce moment, on partait dans la même mosquée là. Un jour, je vais l'appeler, il va témoigner. Je partais avec lui à la mosquée de Bangladesh là-bas. C'était le mois de Ramadan. Quand je m'assois à côté de lui, je commence à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, je vais étudier. J'ai envie de devenir avocat. J'ai envie d'apprendre la loi en Italie. Il se moque de moi. Il parle bien la langue peu là. Il s'appelle Djabi Kwala. Il était en Italie ici. Il est témoin. Donc, les gens qui se moquaient de moi hier et avant-hier là, si je n'avais pas pris mon courage là, je n'allais pas être où je suis comme ça là aujourd'hui là. Mashallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Les gens se moquaient de moi tellement que j'avais honte. Je prenais le tram 19 là pour me contourner. Les gens qui vivent à Rome là, ils connaissent le tram 19 là. Quand tu le prends vers Centocelli là, ça tourne vers comme ça là. Ça tourne, ça ne va pas vers Termini, ça tourne directement pour partir vers l'université là. Ça part vers les universités et puis le tram là va aller jusqu'à Paris vers l'ambassade de Guinée là-bas. Donc parce que quand je prenais le tram 5 là, 14 là, quand je m'arrêtais à terminer avant d'aller là-bas,
Avant d'aller suivre les cours, les gens se moquaient de moi. Tellement que j'avais eu honte, les gens m'ont découragé. Qu'est-ce que je faisais? Je passais par le tram 19 là, qui ne va pas vers terminer là. Tout ça là, c'est des exemples de la vie que je te donne, Asie. Na fanne ben alawai, na mani, et sosoro et na amira sa mani hai raifa. Mais moui sa ma boi raifa. Na fanne ben Asie. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils m'ont amené d'autres choses qui sont très graves contre toi. Là. Mais moi, je ne suis pas là pour détruire. Tu n'es qu'un père de famille. Je me mets à ta place. Aujourd'hui, tu as un problème avec tout. Disons comme ça, je te dis la vérité. Tu as un problème avec tous les peuples. Ça, je te dis la vérité. Parce que tu n'as pas compris. Quand tu touches au ciel, c'est comme si tu as touché tous les peuples. Moi, je vous dis, le bébé ici, là, c'est quand tu touches ce loup-là. C'est comme si tu as touché tout, c'est l'espoir des peuples. Parce que quand tu vas dire ça, là, il y a ces farfelés qui vont s'asseoir là-bas, les malinqués, là, c'est les semi-analphabètes malinqués qui vont commencer à dire, tu as vu les propos ethno. C'est-à-dire, moi, j'assume ce que je dis. Comme vous n'êtes pas des ethno, là, vous, les petits clans malinqués, là, du pouvoir, là. Idi Amin sort ici en flagrant délit en tant que ministre qui n'a pas été élu par les Guinéens. Il sort ici que le peuple vient de Tanzanie. Il ne connaît même pas l'histoire, il n'a même pas été à l'école. Que le peuple vient de Tanzanie. Le peuple vient de Tanzanie, les peuples ne sont pas des Guinéens. Des propos ethno comme ça là, devant une nation, est-ce qu'il sort les propos? Malick Sanko est sorti ici, autant de celui il a dit quoi? Fassine Touré, il a dit quoi? Au nom de Seloudale, il a dit quoi? Vous, le peuple, là, vous cherchez le pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire avec le pouvoir? Vous avez l'économie de la Guinée. Mais si c'est eux qui parlent de ça, là, les petits ethno-malinqués, là, on ne les condamne pas. Hein? Là, on ne les condamne pas. Si les petits clans ethno-malinqués, là, ils tuent les gens, personne ne parle. Hein? Mais quand on touche seulement un malinqué, là, on dit, oh, les peuples sont des ethno. Oh, les malinqués, les soussous sont des ethno. Oh, les forestiers. Célestin a été assassiné ici, là, personne ne parle. Aucune enquête. Fonike Mang est porté disparu, Biloba, personne ne parle. Tous les Guinéens sont assis comme ça, personne ne parle. On dirait, Fonike Mang s'est sacrifié seulement pour nous. Fonike Mang mène un combat pour tous les Guinéens. Aujourd'hui, la famille de Fonike Mang souffre. Je te donne un exemple, Asie. Où est Fonike Mang aujourd'hui? Où est Biloba? La famille de Biloba, son papa, sa famille ne dort même pas aujourd'hui. Fonike Mang et sa femme et ses enfants-là, ses parents-là, ils souffrent aujourd'hui. Tout ça, là, c'est les exemples de la vie, Asie. Tu t'attaques à une personne qui est 10 000 fois plus que toi dans le monde entier. Seloudalen est une grande personnalité du monde entier. Et tu t'attaques à Selou, on dirait que tu t'attaques à un de tes amis comme ça, là. Hein? Réfléchis, Asie. Moi, je t'ai dit ça là. Maintenant, voilà ce qu'ils m'ont amené là. Parce que moi, ils veulent m'utiliser contre toi là. Moi, je réfléchis. Hein. Je ne suis pas un naïf. Moi, mes mémoires là sont calées. Je ne suis pas un naïf. Quelqu'un ne va pas venir me donner des informations, des révélations sur Asie le King. Je vais sortir sur les réseaux sociaux ici là. Je vais venir. Moi, Asie le King, nous ne sommes pas des ennemis. Je le considère comme un frère, comme un petit frère. On ne sont pas des ennemis. Seulement, je te dis la vérité. Laisse Seloula en paix. Laisse sa femme en paix. Tu continues ta vie. Ta vie aujourd'hui, j'ai parlé de ça hier. Non? Aujourd'hui, on m'a amené beaucoup de choses encore concernant toi et Charles White, le deal. L'histoire de Charles White, sa femme et toi. Beaucoup de choses. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tout mon problème en Guinée, c'est Lumpuya. Et son petit clan ethno-malinqué qui sont venus prendre un pays en otage. Moi, je ne suis pas en guerre avec toi, mais je te dis la vérité. Je t'ai donné un exemple, Asie le King. Mara Sinara. Ma colori, ce soir, oui, harang, le dondro, tu sais, ou tout le yamane. Ce soir, maori, et mince, ma ce soir, oui, mara ben londi. Ce soir, maori, n'est pas ce soir, oui, harang, la guinée, n'est pas harang, camboire, école primaire. Va demander les soussous, et mince, ma ce soir, oui. Mara Benyilondi. Si on a posé sur ce mot, la question va la sur ce mot. Par exemple, ce mot, Fonike Mang, il a nous dit la Guinée, Birunguma, a sacrifié, il s'est sacrifié pour tous les Guinéens. FNDC, Bilo Ba, ils se sont sacrifiés pour tous les Guinéens. Où ils sont aujourd'hui là?
Qu'il y avait des Guinéens qui sont en train de dire à Doumbouya, sortir dans les rues, mourir pour à cause de Fonike Mangue, comme ça, comme ça. Donc, tu sais dire, quand tu prends les enfants du lion là, tu vas déposer les enfants là. Ou quand tu prends, comme on dit en français, quand tu prends l'enfant du diable là, tu vas déposer l'enfant du diable. Tout ça là, c'est des exemples que je te donne. C'est pour cela que je t'ai dit de te ressaisir à Zilekin. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Tous les peuples ne sont pas tes ennemis. Mais c'est toi-même qui as créé les ennemis contre toi-même. C'est toi-même qui as créé des choses contre toi-même. Je te donne des conseils en tant que moi. Si c'était moi à ta place, en tant que frère. Chaque jour, tu battais les records. Pourquoi? Parce que les peuples t'ont soutenu. Les peuples sont avec toi. Je te dis la vérité. Tu avais tellement donné l'amour d'aimer ce local, devant les peuples, là, les peuples t'ont aimé. Voilà comment tu es venu finir tout ce que tu ne devrais pas finir. Milanté à Moufan. Dieu, on ni misé. Allah, birin, Adam a dit, misil mi birin, Adam. Tangani misena. Allah, on a tangani misena. Maintenant, maramini be, yahu inerenu dori be. Ils m'ont amené d'autres choses concernant sur toi. Moi, je ne veux plus parler de ça. C'est fini. Je t'ai dit la vérité. Bébé là, je t'ai dit seulement deux choses. Les jours que tu vas venir t'attaquer à Selou, attaquer la femme de Selou, ah, là-bas, je vais t'afficher, je vais te pendre sur les réseaux sociaux. À part de ça, là, quelqu'un ne peut pas venir me dire, voilà ce que Asie a fait, je vais prendre. Quelqu'un ne va jamais m'utiliser contre toi, jamais de la vie. Je réfléchis, j'ai de bonnes mémoires, je réfléchis. Mouyo Moufa m'entend utiliser contre. Nanou Anaoma, téléphone à Birini. Ah, téléphone Tongwara, Rabia, Life Raba. Ari attaqué. Non, quelqu'un ne va pas venir profiter. Parce que je suis venu, je suis en colère avec Asie le King. Et en la vidéo, il a fait ma révélation, pour te pendre sur les réseaux sociaux. Non, je ne suis pas de ce genre. Je suis un homme responsable. J'ai dépassé les limites là. Non. Moi, je défends Selou Dalem ici là. Je n'ai jamais demandé même un euro un jour à Selou Dalem. Je défends l'IFDG ici. Je n'ai jamais eu une carte de membre de l'IFDG. Je ne suis même pas inscrit sur la liste les gens de l'IFDG. Demande tout le monde. Je défends tous les Guinéens ici là. Aucun Guinéen ne me paye ici là. Il y en a plein. J'ai voulu même aider une personne comme ça là, à cause de l'IFDG. Moi, je ne veux pas dire tout ici là. Mais je te dis, Asie, ça aussi c'est un exemple. Il y a une personne qu'ils ont tiré à cause de l'IFDG là. Moi, si cette personne regarde cette vidéo là, il sait ce qu'on s'est dit. J'ai pris tous ces documents là, je suis allé faire quelque chose ici au Vatican. Le ministre des Affaires étrangères du Vatican là, ils m'ont laissé les lettres là, de remettre à la personne pour prendre des visas pour venir ici. Cadeau, hein? Cadeau, wallahi billahi ta'ala. Cadeau. Même un euro, je n'ai pas demandé à la personne. Seulement, la personne me faisait pitié parce que son mari est mort. Pourquoi son mari est mort? Son mari a été assassiné à cause de prudence d'aller. À cause de l'amour là, je me suis levé. Tout était en secret. J'ai dit, fais comme ça, amène-moi tant. Je me suis engagé, moi-même, j'ai écrit.
Ils ont accepté. Mais vous savez, la déception, c'est la même personne que je vois qui sort sur les réseaux sociaux dire aux gens que depuis que l'IFDG a été l'IFDG, le président Senghor n'a rien, ne l'a rien donné même. Non, j'ai dit non. J'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Moi, j'ai fait ça là, c'est pour qui je voulais faire ça là. C'est pour ces loups. C'est pour Selouda, je voulais aider la personne. C'est pour l'IFDG, je voulais aider la personne. Précisément pour Selouda, je voulais aider cette personne-là. Mais comme cette personne a été pressée, pressée, pressée là, la personne a reçu 20 millions de francs guinéens dans la main de Ousmane Gawa. La personne a commencé à sortir dire que la femme de Selouda l'a jamais aidée. Selouda ne l'a jamais aidée. Et pourtant, moi, j'ai les preuves. Il y a des gens qui l'ont aidé à cause de l'IFDG, qui l'ont donné plus de 2 000, 3 000 dollars pour chercher une maison à Conakry. On ne peut pas dire tout. Ça, c'est des exemples de la vie Asie. Ça dit, les gens ont insulté la femme, toute la famille de celui-ci. Tout récemment, ils sont sortis. Ils ont dit qu'ils demandent pardon. Ils se sont mis en genoux. Ils ont demandé pardon à celui-là. Diérono de, et Diérono, 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 Asie, Diérono. Il faut te ressaisir un peu là. Moi, tu n'as aucun problème avec moi. Si je pense de mal de toi là, wallahi billahi ta'ala, ala naga, ala naga ya, ala naga diyama. Khirafinyari, khourdi na mboyen kui, Asie le king. Khirafinyari, khourdi na mboyen kui. Ya kolo, on n'a fala, itanunta. Ou maté moi, il s'arrête, ala nara. Ala nara. On fait na enfala itanunta yakulu, il fait na enfala c'est l'aura fait yakulu, nakulu. Yakulu, ntayata fala ben na, tu ne devrais pas sortir comme ça, réagir de cette façon. Il fallait me contacter. Moi-même, je t'avais dit que je pouvais même t'amener 100 euros pour t'aider. J'allais demander beaucoup d'autres personnes pour t'aider. À cause de qui? C'est l'audalé. C'est à cause de ce lot, hein? Sinon, si c'est pas affaire de ce lot, nous on s'en fout de toi. Personne ne te connaît. Ça, ce qu'on décide, l'oudale, Hadjal Madale, on t'aidait. Mais toi, maintenant, il m'a imagé, on va le faire dans la vie. Il faut me y attaquer, c'est l'ouma. Il attaque à Hadjinema. Allô, il y a, il s'est dit, il bourrait dans Nera. C'est ça qui m'a fait mal. C'est ça qui m'a fait mal. Tu peux attaquer toutes les personnes de l'IFDG là. Ça me lance au pôle nord. Mais venir t'attaquer directement à ce l'oudale comme ça et sa femme. Ah, il faut avoir honte aussi. Trop, c'est trop. Ce n'est pas parce que nous, on n'est pas des bons communicants de l'IFDG comme ça. On peut venir t'attaquer ici. On peut venir t'attaquer. N'oublie pas qu'il y a plus de 4 ou 5 millions de Peuls qui sont résidents à Dakar. Il faut être naïf de ne pas comprendre l'essence de la vie. Il y a plus de 4 ou 5 millions de Peuls résidents à Dakar. Hein? 4 millions ou 3 millions 500 là, ils sont, toutes les personnes là sont les fans de ces loups. Si on veut te faire du mal, ce n'est pas ce que tu sors ici pour dire dans les réseaux sociaux, tu dis ça aujourd'hui, demain tu dis autre chose. Là. Je t'ai dit, nous les peuples, là, on croit à Dieu. Si ces loups ne croyaient pas faire de Dieu, là, on était dans une guerre civile en Guinée. Asie. On a la guerre civile en Guinée. Mais c'est un homme croyant. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à ces loups ici là? Commencer sur Alpha Condé jusqu'à Doumbouya. La femme de ces loups s'est déplacée pour partir à Taouya faire le marché là. Ils ont gazé sa voiture. J'étais à Conakry. 2010, j'étais en Guinée. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Selou? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Selou? Selou a réagi. Selou a dit, campagne aux États-Unis, dit, si Dieu veut lui donner le pouvoir en Guinée dans le sang, il ne faut pas que Dieu lui donne le pouvoir là. C'est ça là qui fatigue Selou. Selou, quand il parle, a dit, accepte. C'est ce que Selou a dit aux États-Unis. Regardez la vidéo là. Spray dans celle d'aller une négoci, Allah au Corée Bellamo. Harako ikan hibata la Guinée. Wata la okor bengulam. Kudun tampine. Madon, c'est pas les relations qui manquent à Selou Dalé. C'est pas l'argent qui peut manquer à Selou Dalé. S'il veut. Il y a des gens même qui sont prêts même pour mourir pour Selou Dalé. Même si Selou Dalé demande 1 million de dollars aujourd'hui, on peut cotiser. Ou l'argent là va sortir, ça va sortir. C'est l'IFDG. Il n'y a pas un parti politique en Guinée aujourd'hui qui est stabilisé dans le monde entier comme l'IFDG. C'est pas l'argent qui va les manquer. 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 3 millions de dollars. On peut chercher, on met à la disposition de l'IFDG. Si c'est pour détruire la Guinée, on peut détruire. Mais Selou ne veut pas ça. Selou ne veut pas ça. Selou-là ne veut pas ça. Il a dit plusieurs fois. C'est incroyable.
Les gens qui l'ont insulté ici, insulté sa maman, insulté toute sa famille. Et Ibarato, ils sont venus dire qu'il se met en genoux, demander pardon à Selou Dalet. Ça, là, ça devrait te dire quelque chose. Ma maman nationale, la maman nationale, tu es sorti ici, tu as insulté tous les soussous, que tu n'étais pas soussous, non. Il m'a donné des soussous et des combi. Il n'a pas soussous et moufan. Barkatari n'a pas soussous et là. Ouais, mouna, on fait la soussous et fari. Pays t'en bête, et t'en nous foule, man, nous guérir. Il s'y a ma mindé. Il m'a s'y a ma tant soussous et n'a y'a point. Mais les gens vont se moquer de toi. Allou. Quand t'en as, nous n'a y'a place. Ce que tu as fait là. Je te conseille, tu peux refuser. Fais comme tu veux, c'est ta vie. Comme c'est arrivé comme ça, là, Antana Nira, Asie, prends le temps, tu fais live de 2 ou 5 minutes, là. Tu dis aux gens, toutes les personnes qui font partie de l'IFDJ, là, si tu les as offensés, là, tu n'as pas fait exprès, c'est Satan, tu demandes tout le monde pardon. Dunia Mukoloma, Asie, Dunia Mukoloma, de. Asie, Dunia Mukoloma, Dunia Mukoloma, Asie. Antana Nira, il place, il n'a rien à raiki. Dunia Mukoloma, minimum life rabana, ah, combat et falaiki, tout le monde peut se tromper. Donc, si ça a touché beaucoup de personnes parmi les gens de l'IFDG là, je vous demande excuse. Comme ce que tu as fait pour les Amara là. Comme ce que tu as fait pour les criminels là, tu les demandes pardon. Toi, tu peux demander pardon à ces criminels là. Après avoir les humiliés, les insultés comme ça là. Celui-là ne t'a fait quoi? Celui-là t'a fait quoi? Sa femme t'a fait quoi? C'est ta classe. La femme de Selou, elle fait partie de ta classe. Selou Dalet, le président Selou Dalet, il fait partie de ta classe. Même les Mamadi Doumbouya ont peur de Selou Dalet. Mais quand tu vas dire ça, il y a les imbéciles qui n'ont pas été à l'école là. Il n'a qu'à rentrer en Guinée. Il a tout ce qui. Tout leur mentalité de la démocratie là, c'est pour assassiner les gens. C'est tout. Vous pensez que si. Alpha Condé avait tenté autant de autant d'Alpha Condé. Alpha Condé avait essayé de convoquer Selo à la justice de Dixil. Mais quand Alpha Condé a vu les gens qui sont sortis pour accompagner Selo, c'est là-bas qu'ils ont dit non, que Selo n'a qu'à rentrer chez lui. Selo n'a pas peur de rentrer en Guinée. C'est seulement c'est un pays maudit. Il n'y a pas de justice. Fouré et Tata Monnaie. Et ni Faraïbara, Fouré Moukel Mabore a vengé. Non. Si Fouré Waleke et Lady Hara il a ni Fouré et Tata Monnaie. C'est fini. Tous leurs problèmes en Guinée aujourd'hui, là, c'est parce que Selou Dalet est le premier leader de la République de Guinée aujourd'hui. Dans leur tête, là, Selou Dalet représente seulement l'ethnie peul dans l'IFDG. Là. C'est une mentalité qu'ils ont préfabriquée dans leur cerveau, dans les cerveaux de certains petits ethno-malinqués là. On a vu le cas de l'autre là, Damaro, l'ancien président de l'Assemblée, quand il partait dans les casses. Les Konyakas n'ont pas peur de la guerre. On a fait la guerre en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Libéria. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Mais tu as vu comment il a été humilié? Allou, Asie, allou. Allou. Le CNRD n'a pas d'amis. Tu sais le deal que tu as fait avec les gens là. Je t'ai dit, moi, je ne vais pas attaquer. Je ne vais pas venir sur les réseaux sociaux pour te détruire. Si tu as un problème avec des blogueurs ou avec des communicants, ça c'est entre vous là-bas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis sur mes nerfs parce que tu es en train de te foutre de Selou Dalet et sa femme. C'est tout. C'est tout. Attaque tout le monde. Même moi, attaque-moi comme tu veux là. Ça me lance au pôle nord. Mais tu ne peux pas venir t'attaquer à une grande personnalité comme Selou et sa femme. Nous, les peuples qui sont sur les réseaux sociaux là, on va s'asseoir comme ça, te regarder et puis on va te tolérer. Mais où les nanaki? Trop, c'est trop. Où les nanaki? Mon nom va faire des bébés. Il s'est loué attaqué à l'Oibori. Et à la Guinée, va attaquer à l'Oibori. Non. Moutan foule, mon nom a dit des nama. On ne peut pas te tolérer ça. Trop, c'est trop. Mon nom a dit des bébés. C'est pour cela que je conseille. Ama ton live dit là-bas. Le live que j'ai fait hier là dans le train là. Voilà comment m'a amené tes dossiers. Même affaire de Charles White. L'histoire qui s'est passée, le deal que tu as fait avec Charles White entre lui et sa femme. L'histoire de Charles White et toi là. On m'a amené tout. Mais ça ne m'intéresse pas. La personne m'a envoyé tout. Quand il a fini là, je lui ai dit, moi, je ne suis pas l'ennemi de l'Asie. Tout ce que tu m'amènes là, ça ne m'intéresse pas. Prends ton téléphone, tu fais le live, tu dis ça aux gens. Chacun peut, même si c'est 10 personnes qui vont te regarder,
Les gens vont s'intéresser à cette vidéo, à le live là. Prends, moi je ne fais pas. On ne peut pas m'utiliser pour aller contre quelqu'un dans ma vie. Jamais de la vie. Je ne suis pas un hypocrite comme ça là, non. Tout ça là, c'est des exemples de la vie. Je t'ai donné le cas de Fonike Mangue. Fonike Mangue s'est sacrifié pour tous les Guinéens. Biloba, même chose. Ils sont où aujourd'hui? Tu as vu les gens sortis sur la route là, venir manifester pour Fonike Mangue, libérer Fonike Mangue, libérer Bilo? Non. Quand toi, tu as eu le problème à Dakar, Paikoumsare n'a pas dormi, Asie. Une semaine, moi, je parlais avec Paikoumsare, même à 3h du matin. J'ai dit, Paikoumsare, lève-toi. Imodaroda, lève-toi, tu vas, ne dors pas. Paikoumsare me faisait pitié. Je l'appelais ici à 2h, 3h du matin, on parlait. Ses yeux sont rouges comme ça, là. Mugi fana fin di fisirwali la hayara dangi. Mugi na fin di fekolon tarira haya limit fana dangi. Asi alu. Tu as l'avenir devant toi. Tu n'as même pas commencé ta vie encore. Pense à ta femme et tes enfants. En Afrique, tu n'es pas en sécurité. Tu as vu Fonike Mangue aujourd'hui? Sa femme ne dort pas. Ses enfants, sa famille, Biloba. Célesté a été assassiné par le CNRD. Et tu as vu comment la famille de Célestin, tu as vu que la famille là, Saliba Koulibaly, fait général Saliba Koulibaly, qui ont même soutenu Mamadi Doumbouya pour faire le coup d'état en tant que Malinké, qui ont trahi Alpha Condé. Où est la famille de Saliba Koulibaly aujourd'hui? Tu penses qu'ils sont heureux aujourd'hui? Non! Idi Amin est sorti dire qu'ils l'ont tué, c'est tout. Kareli Soto, Asie. Kareli Soto, Bini nous n'ont attaqué des cellules d'Alemma. À Guinée, mais non. Moi, je n'ai aucun problème avec toi. Je répète encore, mais je te mets en garde. Wallahi billahi ta'ala. Je te mets en garde. Je te mets en garde. Le jour que tu vas sortir encore ici, à s'attaquer à Selou Dalin et sa femme. Je répète encore. Nyando yal ti do wo, o attaque Selou Dalin, bingo mako. Mais à l'animo, je vais t'enlever sur Facebook là. Je ne suis pas pressé, moi. J'ai tous les dossiers de la République de Guinée, plus de 1 million et quelques de dossiers concernant la Guinée. Depuis au temps de Fait Général Alassane Conté, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au temps d'Alpha Condé, là, jusqu'à Mamadi Doumbouya. Là. Mais on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Moi, je ne suis pas pressé. Je t'ai dit dans mes lives, il y a ce qu'on appelle la secret professionnelle. J'ai ça, je maîtrise ça, moi. J'étais le premier ici à dire aux gens, avant le 15 septembre, là, ils vont enlever Alpha Condé au pouvoir. Les gens m'ont insulté aux États-Unis, ils m'ont insulté. Regarde-lui là, on dirait qu'il connaît, on dirait qu'il est Dieu, il est comme ça. On ne peut pas dire de ces choses quand tu vois là, tu sais. Il y a de ces renseignements, quand tu connais, tu connais. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. C'est ça. Saliba Koulibaly, je l'ai dit de prendre la vitesse, renverser Doumbouya. Il ne m'a pas écouté. Je l'ai donné jusqu'à jeudi là. J'ai dit, Doumbouya va lui taper. Non. J'étais en France, non. Ma vidéo est sur ma page. J'ai dit à Saliba Koulibaly, j'ai dit, les Guinéens n'ont qu'à être témoins. Fonike Mangue, je suis sorti ici là. J'ai dit, Fonike Mangue, ils ont fait une réunion. On doit t'éliminer. Écris, sort, écris avec tes avocats, tu déposes dans toutes les ambassades. Est-ce que Fonike Mangue m'a écouté? Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. Ton problème, quand c'est commencé à Dakar, j'ai fait 3 ou 5 lives. Donc, dites à Asie de m'appeler. C'est urgent. C'est urgent, je vais lui donner l'information. Tu ne m'as pas appelé. Mais après, on a parlé au téléphone. La Guinée-Ka, Kobi Asie, ri la Guinée-Ka, Kolo. La Guinée-Ka, Fissirwa, Lidounia, Meribirimbe. La Guinée-Ka, Kobi Asie, la Guinée-Ka. Moi, tu n'as pas vu, je n'ai pas d'amis guinéens. Je n'ai pas d'amis guinéens, ça ne m'intéresse même pas. Tous mes amis ici, là, c'est les Bangladesh, les Nigériens, d'autres pays, mais amitié avec Guinée, là, non, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Ça fait partie du groupe sanguin de tous les Guinéens, toutes les ethnies. Il fait bien d'abandonner la Guinée, car il faut rire. Moi, j'ai vu des gens qu'ils ont ramassés au dehors, dans le froid, là, en Europe, ici. Les gens qui sont passés par Tunisie, Libye. Ils sont là, les gens les ont ramassés, les mettent dans leur maison. En France, ici, là, ils sont dans le bar encore, ils sont en train de parler. Et moi, dorénané, ma femme a fait, « Ah, na grand, na ra Guinée, nous sommes, ayant mouti manga, téléphone yabi. » Et les gens, nous, dans notre génération, nous sommes venus en Europe, on a dormi au dehors 3 ans. Personne nous a aidés.
Aujourd'hui, quelqu'un te ramasse dans le froid là, en Europe, il te met chez lui. Il te dit seulement que ses enfants sont en train de dormir à partir de 21h là. De parler doucement au téléphone là. Ah, Grand-Yang, Amoutima, Iki. Tu as vu, tout ça, ça, c'est le Guinéen. C'est le Guinéen seulement qui peut faire ça là. Tu fais tout pour le Guinéen, il ne sera jamais reconnaissant envers toi. On voit des exemples chaque jour. Voilà Makanera. Makanera, c'est qui? Quelqu'un qui vient me mentir sur le Coran. À cause de Lazare. Mais Makanera, lui, je vais m'occuper de lui à partir de demain. Donc, Azile King, non, Faramaybe, il ira wali. Sénégal, il y a un Sénégal, il y a un Imara. Il y a un Sénégal, il y a un Imara à Dakar. Il se gagne à Dakar pour fuir les problèmes, pour te sauver, pour sauver ta famille, pour te sauver. Donc, n'oublie pas ça là. Sénégal, tu n'as pas une famille, tu n'as pas un papa, tu n'as pas une maman. Les deux personnes qui pouvaient te garantir à Dakar là-bas, là, tu es parti contre eux, tu les as offensés. Maintenant, c'est gâté, c'est gâté. Ce soir, il n'a rien à faire, il n'a rien à faire. Tu comprends ça? C'est Soussou. Yé Noura Filibori, amou non ma kode son asa tunde kui ou asa si yon kui. Anyon, khabara fil, abara fil. Donc c'est fini. Seulement, itanan la ira relira wali son. Tu dois utiliser ton intelligence. Tu fais ton life. Si tu veux attaquer au blogueur là, mais c'est ton droit le plus absolu. Si tu peux que tu peux frapper Mamadi Doumbouya comme tu as fait là, le feu mania là. Tu peux faire le feu mania à Mamadi Doumbouya. Tu prends ton argent, c'est l'argent de la Guinée. C'est l'argent de la Guinée et tu te calmes. Et tu te calmes. Celle-là n'est pas de ta classe. Celle-là est plus âgée que toi. Celle-là, c'est une grande personnalité. C'est en Guinée seulement qu'on voit ça. Parce que celle-là est trop bon, il a un bon cœur. Si c'est moi à la place de celle-là, on avait partagé la Guinée depuis. Mais c'est pas... Chacun est né avec une éducation. Chacun a une éducation que ses parents lui confient dans la famille, à bas âge. Celui-là a reçu une éducation non-violence. Si celui-là était violent comme Alpha Condé là, celui-là était au pouvoir depuis, mais celui-là ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas voir les enfants guinéens mourir comme ça à cause de lui. Il a dit, chaque jour il dit ça là. Il dit que lui, il compte sur Dieu pour avoir le pouvoir. C'est ce qui nous fatigue. Sinon, tout ce qu'ils ont fait à celui-là, en Afrique, dans le monde entier aujourd'hui, surtout en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un leader qui peut accepter ce que celui-là a accepté là. Même Ouattara, avant de venir au pouvoir là, ce que Ouattara a subi là, celui-là n'a jamais fait ça. Celui-là, ce qu'ils ont fait à celui-là là, c'est incroyable, impossible même. Quelqu'un gagne les élections, on refuse de lui donner parce qu'il est de l'ethnie peul. Tout sauf un peu le pouvoir. Cette mentalité de 1958 jusqu'à aujourd'hui, ils sont fixés sur ça. On les a éduqués dans cette mentalité. Ils ont grandi dans cette mentalité. On les a formalisés, préfabriqués leur cerveau sur cette mentalité de merde-là. Tout sauf un peu le pouvoir. Surtout ces loups. Moi, je disais ça depuis au temps d'Alpha. Alpha a agiré, même s'il va mourir. Il préfère mourir ou tuer ces loups de ne pas remettre le pouvoir à ces loups. Quand ces loups est sorti de la Guinée, demandez à Mara, quand ils sont partis s'asseoir là, qui regrettent aujourd'hui pourquoi ils ont laissé ce Loudalen sortir de la Guinée. Ils ont dit, si ce loup était en Guinée, ils ont dit, hein, après le coup d'État là, Mamadi Doumbouya voulait organiser les élections. Mamadi Doumbouya voulait organiser les élections libres et transparentes. Mais depuis que Mamadi Doumbouya s'est approché de Kouyaté là, ils ont dit, le pouvoir, pour tenir le pouvoir dans la main des Malinké là, il faut éliminer ce loup. Ils ne se sont pas cassés. La même chose qu'ils ont dit à Capitaine Moussa Dadis Camara. Ils sont partis au camp Alpha et à lui faire la guerre. Il faut tout faire, auditer ces loups. Il faut, Alpha Condé même a dit à Dadis, devant les témoins, en tant que tu collabores avec ces loups d'aller, moi, je ne vais rien faire avec toi. Il faut éliminer ces loups. Sinon, on ne sera jamais d'accord. Affaire de ces loups, ce n'est pas commencé aujourd'hui. C'est depuis autant de faits généraux dans la compte. Jusqu'au temps de général lance la compte. Depuis là-bas, les Kirdi Bangoura, les Sompare, les Malik Sankon, c'est là-bas qu'ils ont commencé à faire le problème à Seloudal. Parce que lance la compte aimait beaucoup Selou. Il disait tout le temps lance la compte. Parmi tous ces ministres qu'il a eu dans sa vie, le ministre le plus éduqué, le plus poli, c'est Seloudal. Il dit même si Selou arrive dans son bureau, là, Selou enlève les chaussures.
Vous savez, Conte, c'était un vrai nationaliste. Conte aimait trop les blagues là. Conte était comme ça. Conte était comme ça. Même moi, une fois, je partais vers je partais vers Cosa. Je me suis arrêté à côté de l'île. Voilà, non, collège Sainte-Marie, là, à droite, là, il y avait un mobile américain, la station, là. J'étais garé là-bas dans ma voiture BM, là. Je suis sorti, j'avais beaucoup de cheveux comme ça. Et j'avais le numéro 1, là, sur mon maillot, là, AS Roma. Comme le président Lansana Conté, général Lansana Conté, il passait comme ça, avec ses gardes-corps. Il m'a vu comme ça, il pensait que j'étais footballeur. Et il s'est arrêté. Je vois seulement les bérets rouges sautent comme ça là dans la voiture pour venir vers moi, dans ma BM noire là. Donc, ils sont venus, ils m'ont dit que le président veut me parler. Je suis venu. Là, ça rencontre, il m'a dit, ça va? Il dit, ça va. Il me dit, tu joues où? J'ai dit, je ne suis pas footballeur. Tu fais quoi? J'ai dit, je ne vis pas ici, je vis en Italie. Il dit, tu fais quoi? J'ai dit, je suis manokina. Je fais les défilés de mode en Italie. Après, Lansana Conté a dit quelque chose. Il me dit, hé, foulé, t'en wakili de, une cigade de wakili. Voilà. C'est tout. Il est parti. Ça s'est passé devant les témoins. Donc, Aziz, je te dis, en tant que frère, en tant que petit frère, tu sais ce qu'on s'est dit au téléphone. Tu m'as dit beaucoup de choses, je t'ai dit, laisse tomber. En tant que tu vis, tu vois des choses. Mais, ce que je veux te dire, c'est des conseils, hein. Si tu peux faire le live, tu demandes pardon. Imre, Namu Hiroshima, Amundeba Maira, Yagi Mufandi. Mais Miri Nakolo, Ibara, Haketo Ika Mufan, Azi. Imanyaon, quand ton problème a commencé à Dakar, combien de pays ont cotisé de l'argent pour toi? Paikunsari n'a pas dormi, il a perdu tout son temps. Je parlais avec lui ici jusqu'à 2h, 3h. Paikunsare sort, il fait le live. Ses yeux-là sont rouges. Il ne dormait pas à cause de toi. N'oublie pas tout ça, là, Asie. Asie, a qui est malagare. Asie, a qui est malagare. Asie, il m'a la Guinée-Ka à Koron. La Guinée-Ka à Kobi, Dougoula. La Guinée-Ka. La Guinée-Ka. Asie, la Guinée-Ka. D'ailleurs, il m'a fait un comprendre. Il va regarder ma bérédé. De faire que tu es sorti ici, demander les mamadis là. Les Amara là, pardon là, que tout ce que tu disais là, tu mentais là, c'est fini. Tu n'as plus de valeur sur les réseaux sociaux, c'est fini. Toi-même, tu t'es éliminé seul. Pour toi maintenant, aujourd'hui, quand tu viens, tu vas t'attaquer à Selo, tu vas attaquer les gens de l'IFDC. Attaque Fode Ousou Fofana, toutes les autres personnes là. Mais pour Selo Dalin et sa femme, je t'interdis ça. Je t'interdis ça, Azile King. Wallahi billahi ta'alaï. C'est la dernière fois, je t'ai dit hier, c'est la dernière fois que tu sors ici, tu t'attaques à Selou et sa femme. Toutes les autres personnes là, il faut t'attaquer à n'importe qui. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi j'ai dit ça là? Parce que ça, c'est manque de respect envers Selou Dal et sa femme. Ça, c'est manque de respect. Tu manques de respect à Selou Dal. C'est ça là qui me fait mal. C'est pas à côté parce que tu étais de l'IFDG, non. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est un manque de respect total envers Selou Dal et sa femme. C'est ça là qui me fait mal. Je t'ai dit que c'est la première et la dernière fois que tu viens t'attaquer Selou et sa femme. Les jours que tu vas répéter là, c'est pour cela que je t'ai dit que je vais finir avec toi. Comme on dit au Cameroun là, je vais finir le oué là avec toi. Ton oué là sera gâté complètement. Tout ce que je vais te dire là, kata, ira là, il fera 2 minutes, 3 minutes. Et un mari m'a dit à Canaré, il a fallu il va guiner nyoro mutire miryo manara no ma dépense ton godé à soir à Sénégal ou à sa débouré à tunde sa re soir à guiner à signer fitan amara na ga ga li fi ma dé il a des moments inyamu dunia folo sindé mais avala fitan na atina toy den na nu nyawi tan na mené iril né kenda e iril né kenda iril min ma logo lo alu e wuru na ma tina pa l'âge là.
Tu penses que tu es trop intelligent. Tu n'es pas intelligent plus que les gens. Les gens seulement te regardent, on te laisse. Tu n'es pas intelligent plus que toutes les personnes qui passent sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas intelligent plus que tous les Guinéens. Mais l'ennemi là, l'ennemi, je t'ai dit, l'ennemi numéro un d'un être humain, c'est l'arrogance. L'arrogance, ça tue. L'arrogance détruit. L'arrogance élimine les gens. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Harley fin, renouvelé, IFDG, Mire, au baraguiré, n'tendant pas ma bébé, comme petit frère, comme conseil. M'fait n'a rien tout, et t'a mon atoma. M'barre, n'a pas fala oro. Mini ra la fraba, ira fala birimbe, n'a mon débat, ma ira. Amun de sa, ma yumma. Amouye raso ma ligana, amouye raso ma jahannama, tina fe nara, dieniyi. Dieniyi. Dieni ira, ira dena na, ira gine na na. Ira gine Senegal kui to, baba ma ira meni nga ma yi Senegal kui, az itana na, ira gine ngara, ira gine baba itana ara Senegal. Anyoko musahe mruyo maha dunye giri, ira defa, itana ara. Soso ina aina fala imange, gimange nyako, pe idangima na asimara, na asiri. Inu mange, inu fa mange biliko ma, imange mwori ba. Ya adun, tel manke mange nyawo. Pe ina fale mange nyawo, ye kono imange nyawo. Pe idangi mana asimara. Na ata mange sirigo, afindi mange bilira. Hama muna fankolo no, eske anu mange simane. Imu dangi maka asimara. Mange nyawo ide kiyo ki mu dangi ma asimara. Hasima kolo nenu mange botera ba maabe. Mange murafa ma, ama asimana afindi mange bilira. Mara sinara, ni rasife, nana mayasa susu e maori, misengeli susu e mara ben londi. Problem nangeli mara ben londi en susu. Problem, on appelle un problème en susu la mara ben londi. Donc, alu, mrema yete fama dumbu ye gafira. Sadiba koliba le nana ki, fe muna anabara dumbu ya me. Dumbu ya mrene re a Guinée far le 5 septembre. Et to sa sadiba koliba le tode, avec l'imam la, votre imam la, ça, ce n'est même pas un imam. Qu'est-ce que Sadiba Koulibaly a dit aux gens là? La femme était là-bas, elle a parlé, j'ai la vidéo. Moubara a dit l'eau à la main. Ou fait n'aran là-bas, il fait n'aran là-bas au Mourato. Alors, il y aura une caméra gléma. La femme, ça a été sa dernière phrase. Vous avez vu comment Sadiba a été assassiné? Vous avez vu comment Doumbouya a assassiné Idi Amin et Bala Samoura et Ouyassan Dakouyate? Vous avez vu comment ils ont organisé la mort de Sadiba Koulibaly? Sadiba Koulibaly en tant que malinqué, vous avez vu comment il a été sauvagement assassiné. Un vrai militaire guinéen, un vrai intellectuel dans l'armée guinéenne, un vrai république de l'armée guinéenne. Mais comme ils ont mis affaire d'ethnie là dans leur tête là, Doumbouya les a trompés, Doumbouya les a utilisés. Il a tué Sadiba Koulibaly devant tout le monde. Si Doumbouya n'a pas eu pitié de ça là, c'est toi qui vas venir les escroquer les gens là, ils vont avoir pitié de toi. Mais rentre à Conakry, qu'est-ce que tu attends depuis là, tu ne rentres pas. Mais il faut rentrer. Il faut rentrer, peut-être toi aussi, on va parler de toi dans les journaux, c'est tout. Arrête. Birina findi ya ouira, inoma ya ou soto de mikirin. Mais millions, ikirin, dunia bi ikirin, 1 million de ya oui. Toi seul, tu peux t'en sortir. Tu n'as rien compris. Donc, ce que je voulais te dire là, c'est ce que je voulais te dire. Tu as vu, je ne voulais pas faire de live aujourd'hui. Je voulais commencer mes vrais lives là, à partir de demain. Donc, comme on disait, donc bref, Azi, nous, on a un enfant la fille, ben, rirassi. Il y a l'avenir, Niyarama. Tu as l'avenir devant toi. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Soso na Amiri a dégué ma denna, et mon nom a fait des bifou meni, ou les fou meni, sinon, a rito romane. N'tan soso oui, même, allez foule, m'soso oui, fala madangi, allez foule, allez ma, n'rigne oui, ben. Soso na Amiri a dégué ma denna, et mon nom a fait des meni, bifou meni, ou les fou meni, mi fera, parce a rito romane, et mon nom a dégué des meni, son. Donc, c'est à toi de voir, moi je t'ai donné des conseils. Riwana en falaribé araba.
Iwa orgueil fantongo, ira farera orgueil qui imaraba. Problème yo muna, mais seulement je t'ai dit, il y a beaucoup de surprises dans la vie. Je t'ai dit ça là en parabole. Gidunia ito dunia to maiki. Ito dunia to maiki. Ala to borida, ana akore fanda. Borina ga torori. E bangi ki matanam fari. E febiri naba matanam fari. Bifu matambori nam fari. Holifu matanam fari. Ana ala ga berebore ndefansoye. Ala miseraba. Ala na akore da. Ala tunenu fa. Bori nufurahan. Tune goro bori. Tune kil kore abra bori. Bori. Bori zimbeli. Na kinara. Inafala efata dugira de kioki. Imu dangi masafu ira. Imu noma. Inafala tu inara ye safu ya falamane nabi. Funde ito la yetera ala mise da funde kontru. Sule nyi. Funde inara de oroa inado akankamane koma. Ala naka ha. Funde inara kamenara. Kamena nira. Funde inara iyo. Ala naka sulenda. Ala tu sulenda inasa funde ma eska akankamane koma. Amu dangi magay. Kanyana aya goro, kanyata fala aya goro, kanyana agamena aya goro, iya goro an, ala naga yeta wara. Inu kanyado, inu kanyano kankai koma, imu miseraba, imiseraba, imu yegam mima, inu yeme amu dangi magaya. Na kinara, imu noma dunye febirin kolonde, isembe bokyo ki, sonye fode, mise sonye fode fa. Va boke, ifo apran l'histoire de sonye fode, telman ki lete fok. Dime nous si gaurera du girade. Soyez nous fa. Et mané, soyez fode. Tomo mouno ma pane magade. Mouno ma du girade. Soyez fode nous fa. Soyez tongo ma blare nana. Blare. Azi. A soyez tongo ma ikine. A soyez den. A voilà. Ma falare ben na fa ye torebe sono. Ya rabama sono. A soyez boutou ma blare nana. Tellement ki a la sembe souraye. A soyez sou mané a blare kire. Na a denge ki a soyez farara. A wole yeba. E akolo mise na fara. Mise sonye fode fara. Mise sonye fode fara. Se fou fa fou. Adore iki ana salife. Ana fitiri salife. Adore iki. Soso yi nara mama akolo. Na sende agili di nyan soso yi. Nere te mampul manaki. Kwa yinu so naki. Akasa agili nanaki mbar ne ma agili ra. Nana akil kore. Nana afadangi sonye fode fema. Sonye fode na ablere tongo. Avarge salde yo, ablere gi. Afana gari, boum! Atona gari. Nagone naga, naguli naga soko. Naguli ta soko, akolo poison nanaki. Na ta soko, nanaga soko, afate kui. Ablere na ufuntu, ablere na ufuntu. An ablere na tongo, ma sonye suye ora, ne dengayika, ne faga. Alo tamati lobo dia. An ablere na ufuntu, afuntu, 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 afuntu. Ha, ablere seti biri na sende. Ana kone na te ha koma nana sonye fode fara se fou fa fou na nous sonye tongo ma blerera dengalo tamati donc il faut te ressaisir inu biri na findene mira inu biri na gere hun fe famo hun fe bebe famo sosye na hun fe bebe famo fa ule gine do mane mama ikuyama ino ma wuli dunia ule biri fara de gine bado me amu kuyama mariage mubuma. Mariage mouboma. Bareno kola reali ma maria tambarakana ka. Bareno kola reali ma maria tambarakana. Inu kasato prodisara fala dumbuyana makuyara. Sino dumbuyana famira bira. Ese kasatema. A kasatema mir mamanya. No. Donc alou. Asi alou. Alou de asi. Mou la gineka kolon. Iye te formane la gineka be asi. Inu problem sato. Hali ha gine no mungin. Aga telefon tonga mirinde. Anne il m'a après je vais te rappeler après il a gagné un téléphone coupé. On l'a raccroché. Les Guinéens. Prends un exemple de Fonike Mangue, il est où aujourd'hui? Qu'est-ce que les Guinéens, qu'est-ce que nous on ne pouvait pas faire ici? On peut se mobiliser là. Continuer les manifestations là. Où est Fonike Mangue? Où est Fonike Mangue? Mais aujourd'hui Fonike Mangue n'est pas là. C'est l'abbé, c'est la jeunesse de l'abbé seulement de temps en temps qui s'élève, ils vont manifester contre pour Bilo et Fonike Mangue. L'abbé seulement, la préfecture de l'abbé. Tous les autres Guinéens sont assis. On dirait le combat que Fonike Mangue faisait là, on dirait que c'était pour lui seulement. C'est ça. Sénégal, il n'est pas chez toi à Dakar là-bas. C'est pas chez toi là-bas. Tu es étranger là-bas.
T'es étranger là-bas. Ce soir, nana m'a dit, mais dit, quota qui au qui fourri boue. Dis, mais dit, quota qui au qui fourri boue. Ce soir, il n'a rien. Dis, mais dit, n'a fallu à quota. Fourri tambour, on avait. Tout n'est pas, on a les rôles fous des bundas. Donc, allou, arrête. T'es jeune. Pense à ta famille, à Dakar. Si tu n'es pas là, ta femme, tu vas la laisser dans la merde. Tu vas la laisser dans les problèmes. Ndé ça dépense ma mère Guinée besono rim ka problème beri soto ndé ça c'est à dire dépense ma mère Guinée ndé ça ban ça refi ma be ka gile rawali ka gile tu peux laisser l'IFDG si tu je t'ai dit la fois dernière si tu sors de l'IFDG là le lendemain il y a la 30 qui vont rentrer ou 50 il y a l'IFDG comme ça en Guinée tu sors aujourd'hui le lendemain il y a 100 qui vient il y a 200 qui rentrent encore 200 qui rentrent dans l'IFDG. Tu sors, il y a 200 qui arrivent, 400 qui arrivent. Tu as l'avenir devant toi. Hein. Tu es jeune encore. Il faut avoir pitié de ta femme et tes enfants. C'est tout ce que je te dis en tant que frère. Petit frère aussi. Parce que je suis plus âgé que toi. Je suis plus âgé que toi, âgé. C'est-à-dire, notre... Je ne peux pas te traiter d'un alphabète, mais tu n'es qu'un semi-alphabète. Tu as étudié un peu, mais pas trop. Donc, niveau d'études que j'ai là, en Italie ici, là, et toi là, en Guinée, physiquement et mentalement, je suis loin. C'est comme s'il y avait 150 000 montagnes entre toi et moi. Niveau d'études, niveau d'expérience, niveau de tout. Mais tout ça là, ça ne m'intéresse pas. C'est inutile de parler de ça. Sinon, Mamadi Doumbouya n'a pas de diplôme. Amara n'a pas de diplôme. Quand Macanera vient nous parler avec Thibaut, il dit que Thibaut n'est pas diplômé. Mais Thibaut, quand Thibaut parle français ou Thibaut écrit là, c'est une honte. Thibaut, quand il parle, quand il écrit, mais moi, je connais Thibaut un peu, mais pas physiquement. L'homme là parle très bien le français. C'est pas pour partir à l'école pour dire que tu es diplômé. Et puis, cet imbécilologue de Macanera là, vous n'avez pas remarqué qu'est-ce qu'il fait tout le temps là? Depuis au temps de Lamine Girassi là. Macanera, quand il vient faire ses bruits là, hein? Quand il fait ses bruits là, vous n'avez pas remarqué quelque chose quand il parle? Tout le temps à la fin, il met la langue Diakanké dedans. Pourquoi? Pour se faire soutenir par les Diakanké. Il a fait ça avec Lamine Girassi, vous vous rappelez? Après, il met Diakanké dedans pour dire qu'il est. Les Diakanké vont le soutenir. C'est un bandit. C'est un malhonnête intellectuel, Macanera. Il nous parle de diplôme. Il n'a qu'à aller à Dakar. Il n'a qu'à appeler au Sénégal là-bas. Il y a un Sénégalais qui est devenu un écrivain international, qui n'a jamais été à l'école, qui écrit combien de livres aujourd'hui, qui a écrit combien de livres aujourd'hui là. Partir à l'école, avoir le diplôme là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien. Paik Moussaré n'a pas de diplôme, non. Mais Paik Moussaré est plus intelligent que Macanera. Paik Moussaré est plus intelligent 40 000 fois plus que Macanera même. Le diplôme a construit quel pays? Depuis qu'on nous parle des diplômes là, quel est le diplôme qui a développé un pays au monde? Il est intellectuel. J'ai pris mon diplôme. Et quel diplôme? Les gens qui ont des doctorats dans les valises, qui ne parlent même pas. Petit diplôme qu'il a pris en Guinée là. Et puis un menteur, un psychopathe menteur comme ça. Macanera Kaké, demain je vais m'occuper de toi. Je n'ai pas ton temps. Demain, comme tu n'as pas été à l'école, je vais faire jouer ta vidéo et puis je vais décortiquer ça par lettre. Il dit qu'il en calé au ministère de l'administration et des territoires. Il y a plus de 45 signatures là-bas. RPG Arc-en-Ciel n'existe plus. Mais Macanera, il faut aller recommencer tes études à zéro. Il faut aller recommencer tes études là à zéro. Tu n'es qu'un imbécilologue, Macanera Kaké. Tu n'es qu'un voyou intellectuel. Tu n'es qu'un petit psychopathe intellectuel. Donc il y a plus de 45 signatures là-bas. RPG n'existe plus. Tu n'as pas honte. Tu ne connais pas la loi. Les codes d'ontologie électorale là, tu ne connais pas? Eux là, ils peuvent aller signer ça là, déposer au ministère de l'administration et du territoire que Maké Mamadi Doumbouya a été élu par quelqu'un. Quelqu'un a voté pour Mamadi Doumbouya. Là, je suis fatigué, demain on va parler de ça. Je vais te mettre à ta place demain, Macanera.
Comme tu fais que comme si tu es un alphabète là, un malhonnête, un escroc, un chien politicien, c'est toi. Vous savez quand le chien a faim là, le chien sort la nuit pour fouiller toutes les poubelles. C'est Makanera Kake, c'est un chien qui a faim. C'est un chien politicien guinéen qui a faim, qui fouille toutes les poubelles. Les gens qui sont nés hors dignité même, qui n'ont aucune dignité mentale dans leur groupe sanguin. Un farfelu comme ça qui vient parler de Coran, qui vient parler. Le Coran a été inventé en quelle année? Quand on a inventé le Coran là, est-ce qu'on parlait de la politique? La politique, ça fait combien d'années depuis que la politique existe? Il nous parle, ça là, c'est écrit dans le Coran. Donc, tu es devenu Makanera Kake chrétien. Tu es devenu, comment il s'appelle là? Le faux pasteur de Côte d'Ivoire là, qui est venu en Guinée là. Makoso, donc tu es devenu chrétien, Makanera. Makanera, tu es devenu chrétien. Hein? Va regarder, il faut demander les évangélistes là, comment on les appelle là, les évangélistes là, prends leur Bible là. Bible d'évangélistes là, prends. Sur la page de 512 ou 555 là, étudie. Qu'est-ce que eux-mêmes ils ont écrit là-bas? Parce que c'est eux-mêmes qui ont inventé leur Bible là. Il faut aller écrire et lire la page là. N'importe quelle personne qui va modifier la parole de Dieu sera maudit par Dieu. L'évangélisme, ce qui est. Pas ça, ce n'est pas les chrétiens. Hein. Et quand même, tu regardes aussi la Bible des chrétiens là. Hein? Et chapitre 25, verset, je ne sais pas si c'est 12, 13, 15, 17 là. Va lire ça là, tu vas comprendre que tu es en train de raconter des conneries de merde. Depuis que le Coran a été créé, depuis qu'on a inventé le Coran, la parole du Coran n'a jamais été modifiée, Makanera. Moi-même, je n'ai pas étudié tout le Coran, mais je connais ça plus que toi. Walam yuladu kufana adun. Tu connais ça? Voilà, mais il y a quoi là au tu connais ce qui signifie? Ça signifie quoi? Voilà, mais il y a quoi là au Koufanado? Makanera, va lire ça seulement et tu fermes ta bouche. Depuis que le Coran, quand tu vas en Italie, en Sicile, quand tu prends le Coran là-bas, tu quittes là-bas. Tu prends le même Coran, tu vas jusqu'à Jakarta là-bas ou derrière l'Indonésie là-bas. Quand tu vas ouvrir là, c'est le Coran là qui n'a jamais été touché depuis que le monde a été monde. Hein? La Bible des chrétiens là, ça a été modifié plus de 72 000 fois. Même tout récemment, le pape Francesco là qui est là, lui-même il a modifié la Bible. Pape Francesco qui est là en Italie, à l'heure actuelle là, l'Argentin là, il a modifié même. Modifier lui aussi la Bible. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la Bible a été modifiée plus de 72 000 fois. Makanera, je t'explique ça. Le Coran n'a jamais été modifié depuis que je suis né, avant ma naissance même. Le Coran reste intact. Mamadi Doumbouya, tu as pris de l'argent avec les CNRD, tu vas venir nous parler de Coran avec politique. Hein? Tu as l'habitude de faire ça avec ta grande gueule, la radio espace, là, avec, avant que tu ne rentres en conflit avec les Lamine Girassi, là, on te connaît. Tu n'es qu'un petit opportuniste mental. C'est-à-dire, ta dignité se limite à la place même des déchets toxiques. Ta place de dignité se limite à la place des déchets toxiques. Tu n'es qu'une déception pour la Guinée. Politique. Tu parles de politique et puis tu te mets en boubou. Les personnes qui se mettent tout le temps en boubou là pour venir parler. Regardez comment il est habillé, même on dirait un villageois même qui n'a jamais été dans l'avion. Regarde comment t'as fait monter dans l'avion. Les gens t'ont attaqué ici, tu as eu peur même de parler de Simandou, non? Tu vas aller parler de quoi, Simandou? Quand tu vas aller dire Simandou, définition de mot Simandou, c'est quoi? Ils sont incapables de te dire. Yo, maintenant ce n'est pas la transition. Les Amaras sont quittés dans transition, ils sont arrivés maintenant dans refondation. Donc, j'ai dit au président Selou Dalin,
aux leaders des les trois grands partis politiques là. Je vous ai dit ici là, je vous ai dit, prenez votre responsabilité là, spécialement le président Selou Dalé. Si j'ai obtenu le 31 décembre, Selou Dalé a eu du courage. Qui ne reconnaît plus Mamadi Doumbouya comme président de la transition. Parce que où Selou Dalé va s'associer avec la société civile, les autres partis politiques là. Parce qu'à l'heure là, ils sont en train de dire qu'Alpha Condé est rentré en Guinée pour chercher des rebelles, pour renverser Mamadi. Hey, ne rentrez pas dans ça. Le CNRD est en panique totale. Mamadi, c'est ça, quand j'ai dit, allez-y étudier à l'école. Mamadi Doumbouya, même si on le dit demain, il va retrouver son propre papa là, qu'il ne connaît pas là. Mamadi Doumbouya ne peut pas nous dire qu'il est candidat en Guinée. On vous a dit ça, on vous a dit. Maintenant, ils sont sortis maintenant de la transition. Nous sommes en refondation. Donc, tous les partis politiques là, prenez votre responsabilité maintenant. La société civile Kunduno, M. Sano, etc., etc., FNDC politique, FNDC, société civile. À partir du 31 décembre 2024 là, aucun Guinéen ne va reconnaître Mamadi Doumbouya comme président de la transition. C'est tout. Selou Dalé, président Selou Dalé, il veut pour courage d'arro wola dou hika kowada tawo yowado. Kowada tawo hika yowado Selou Dalé, hala ne président Selou Dalé, yo bi ton courage. Parce que si Selou Dalé va s'arrêter, prendre une décision comme ça, encore à la fin, ça sera du sabotage. Oh, Selou n'a pas consulté quelqu'un. Il n'a pas consulté RPG Racanciel, il n'a pas consulté le président Sidia Touré, il est parti devenir porte-parole, comme le cas de Ousmane Kabala, comment il accusait Selou voulait faire ça là. Même cinématographie là. Donc Selou Dalé, il assume lui-même, en tant que président d'un grand parti politique de l'UFDG, Selou Dalé n'a qu'à assumer le 31 décembre 2024 qu'il ne reconnaît plus Mamadou Doumbouya, président de la transition. Maintenant, Selou Dalé réclame sa victoire de 2020. Il réclame sa victoire. À partir d'aujourd'hui, maintenant, c'est facile, hein. Selou Dalé s'appuie en appliquant l'article 23 de la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO. Comme ce qu'ils ont fait à Yahya Diame. On déloge Mamadi Doumbouya, c'est facile. La bonne nouvelle qui est là. On va parler de ça demain. Donc, on partage au vidéo canet groupe du faux. Asie le King, ce que j'avais à te dire là, je t'ai déjà dit. Et je répète encore pour une dernière fois. Fais tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux là. Mais venir t'attaquer à Selou Dalé encore et sa femme. Kodoun foul bebe inata mi tonga mi hirso. Soso inana mara fin da folle anwa banyera. Ne viens plus s'attaquer à celui-ci et sa femme. Je te mets en garde. Hein. Je te mets en garde. Moi, personne ne va m'utiliser contre toi ici. Mini, il faut dénoncer ça. C'est ce que Asie a fait. Celui qui veut, il a le téléphone comme moi. Il achète son téléphone iPhone 13 Pro Max 15, 16. Sort, il allume, il dit tout ce que Asie a fait avec Charles White. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon problème avec toi, ce manque de respect que tu voulais faire envers Selou Dalé et sa femme, c'est tout. Moi, mon problème avec toi, c'est ça. Le reste là, attaque-toi aux blogueurs, attaque l'IFDG, attaque les gens là-bas. Moi, ça me lance au pôle Nord. Seulement, je t'interdis pour la première et la dernière fois de venir s'attaquer à Selou Dalé et sa femme. C'est tout. Si tu respectes ça là, on sera les meilleurs amis encore du monde. Tout le reste là, ça ne m'intéresse pas. Venir parler de ta vie privée, tu as fait ça, tu as fait ça, le deal de Charles White, de PV, ça là, moi ça m'intéresse pas, ça c'est ta vie, ça c'est ta vie. Ce soit Nato qui sera qui, c'est ta vie, ça m'intéresse pas. Seulement je te mets en garde, les deux là, il faut plus sortir sur les réseaux sociaux, prononcer leur nom, c'est tout. Je ne suis pas en conflit d'intérêt avec toi, non. Si tu es star sur les réseaux sociaux, ça n'engage que toi. Si tu es populaire sur les réseaux sociaux, ça n'engage que toi. Si tu es le meilleur blogueur du monde entier parmi tous les Guinéens, ça n'engage que toi. Les gens ne vont pas vivre de ça. Ça n'engage que toi. Donc, c'est ce que je voulais te dire en tant que... C'est pour te dire, tu as vu, ils m'ont amené encore d'autres choses. Avocat noir, prends ça là. Il faut parler d'Asie King. Je n'ai pas le temps là. Moi, je cherche à évoluer.
Les conneries là qui ne me donnent rien dans ma vie là. Je n'ai pas le temps là. Parce que n'oublie pas toutes les vidéos que nous font, nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux là. Les gens gardent. Les gens gardent. Les gens gardent. Aujourd'hui, regardez les vidéos de Macanera. Quand cet imbécile malheureux politicien, ce chiffonné mental politicien, quand il courait derrière Yves DG là, vous avez vu les vidéos là partout? Quand il est tombé malade, il dit, personne n'est venu lui rendre visite si c'est pas Selou ou si c'est la femme de Selou à l'hôpital. Que Selou Dalin est un vrai patriote. Selou Dalin est un vrai Guinéen. C'est le même farfelu là aujourd'hui qui sort pour soutenir des criminels au pouvoir. Des sanguinaires qui ont tué des gens sans justice. Et tout ça là aussi, c'est les Guinéens. Doumbouya n'était pas légitime pour venir juger l'histoire de 26 septembre. Mais je suis sorti ici, j'ai parlé. Dadis ne rentre pas en Guinée. Dadis, il sera humilié. Dadis, comme ça. Cinq lives. Dadis. Les autres blogueurs, les autres communicants, on a dit Dadis. C'est là, il ne faut pas avoir confiance à eux. Il dit, tu ne connais pas. Mamadi Doumbouya n'a pas eu pitié d'Alpha Condé. Humilié, une humiliation totale. 45 ans de leadership à Alpha Condé. Mamadi Doumbouya a détruit ça seulement le 5 septembre. Il a pris Alpha Condé comme un voleur de la démocratie. Il a foutu Alpha Condé dans la voiture. Humilié Alpha Condé, chemise déchirée, un mal élevé comme Doumbouya. Quelqu'un qui est plus âgé que toi, qui t'a tout donné. C'est le Doumbouya là que toi, tu vas venir dire que tu vas travailler avec lui. Mais rentre en Guinée, on t'attend. On t'attend, on va te remettre aussi le passeport diplomatique, comment ça s'appelle là, l'Ivoirien qui a la bouche là, on dirait Fakocher là, Makoso. Rentre, ils vont te donner aussi, ils vont te donner un passeport diplomatique. Comme ça, tu vas aller directement au Canada. Tu n'as rien compris dans la vie. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, Asim. Qu'est-ce que tu comprends, Yadoune Guiri? Tu n'as rien compris encore. Donc, Guinée, j'ai dit, c'est l'Oudalin, il y a toute responsabilité, mon. Cette fois-ci là, c'est l'Oudalin, ta figure fingoula. Il n'a qu'à s'élever. 31 décembre, Mamadi Doumbouya n'a président handicapé. C'est l'Oudalin n'a qu'à reconnaître. Il réclame sa victoire de 2020. Il est parti. Awola et Tumbobena. Ah non, ça c'est pas. Vous ne connaissez pas. On a la stratégie non, politique. On fait un matin politique. Donc, nouvelle Guinée Nodoudi, donc Django, un footito live comme peut-être moi, j'ai 5 lives par jour. Batido, un outil à la dernière minute. Demain, c'est le 29, on va commencer les vrais lives. Vous avez vu, comme tout le temps, on fait jouer les vidéos. Et j'interpelle ici tous les blogueurs, tous les communicants sur les réseaux sociaux. Je vous dis un système là. Chaque fois qu'on fait les lives là, les blogueurs, les communicants là, il faut tout le temps faire jouer les discours de Mamadi Doumbouya. Moi, je m'appelle Mamadi Doumbouya. Vous connaissez ça? Ce qu'il a dit avec Alain Focard, ce que Ousmane Gawal a témoigné, ce que Amara aussi a dit, Mamadi Doumbouya est un homme responsable et Mamadi Doumbouya tient sa parole. Il faut faire jouer ça chaque jour. C'est à travers ça là maintenant, comme on est en train de jouer, faire jouer ça là. Ça lui fatigue, ça fatigue Mamadi Doumbouya. C'est pour cela maintenant, il ne fait la chance de votre stratégie. C'est la refondation, ce n'est plus la transition. Hein. Parce que Mamadi Doumbouya, il va retrouver son propre papa hier, demain ou après demain. Mamadi Doumbouya ne peut pas nous dire qu'il est candidat. Mamadi Doumbouya n'est pas plus que Dadis. Mamadi Doumbouya n'est pas plus que les Kassori là. Et l'affaire de Kassori là, peuple de Guinée là, j'aime. 2, 4, 6. Peuple de Guinée là, affaire de Kassori Fofana là, faites beaucoup attention. D'après mes informations, hein, Kassori Fofana est gravement malade. Comme ils ont trouvé que Kassori Fofana est gravement malade, il faut évacuer Kassori Fofana. Écoutez ça, c'est une information réelle, vraie là même. Il faut évacuer Kassori Fofana. Après, ils vont l'évacuer, il va partir. Ils vont dire que sa maladie est devenue grave quand il est sorti de la Guinée. Or, ils ont fait tout le travail d'abord en prison là-bas pour empoisonner Kassori Fofana. Écoutez-moi très bien, je dis et gardez ma vidéo là comme souvenir. Kassori Fofana va partir. Dans peu de temps, vous allez entendre qu'Kassori est mort.
Si ça, là, ça arrive comme ça, là, je dis à toute la famille de Kasseri Fofana, là, à tous les Soussous, tous les Guinéens, ensemble, là, c'est le CNRD sera responsable de l'assassinat de Kasseri Fofana. Comme ils ont vu maintenant qu'il est arrivé à la fin, ils vont laisser Kasseri Fofana, il va aller aux États-Unis ou il va aller en Europe, mais je suis sûr qu'il va partir aux États-Unis. Après, là-bas, ils vont dire que Kasseri Fofana est condamné. C'est le CNRD, ça c'est le travail de Mamadi Doumbouya. C'est le travail de Mamadi Doumbouya et les autres là. Quand ils vont te prendre en prison, quand ils vont voir, c'est ce qu'ils voulaient faire à Sélo. Il faut amener Sélo à la maison centrale, l'empoisonner. Ce qu'ils ont fait à Gyalotelli là, c'est ce qu'on voulait faire à Sélo Dalé. Mais Dieu est grand. Jusqu'à ils se sont fâchés, pourquoi ils ont laissé Sélo Dalé sortir de la Guinée? On les a dit, si vous n'arrivez pas à éliminer Sélo Dalé, vous ne pouvez pas continuer le pouvoir là. Si c'est le terre en Guinée aujourd'hui là, hey, que warino c'est le dalen, qui l'a nevi? Homboy moto daro. Personne. Haray foule même perdu leader. Demain, il va organiser des mamaya partout, même à Télimile demain. Bintala l'a invité à Télimile. Les bars sont ouverts, les boîtes de nuit sont ouvertes à Télimile. Il y a les jubilés de Mamadi Doumbouya qu'on joue. À Télimile demain, Bintala l'a invité. Beaucoup d'artistes. Ils mangent gratuit, on partage l'argent aux gens. Partagez l'argent. Mais Mamadi ne peut pas nous dire, nous les Guinéens, dire qu'il est candidat aux élections. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Si Mamadi est homme là, il n'a qu'à faire sortir décret. Ce n'est pas pour sortir sur les routes là, pour nous montrer les armes françaises là. Tout ce que Mamadi Doumbouya nous montrait. Dans la fête de l'armée guinéenne là. Tout ça là c'est pour la France. Imagine, il faut que la Guinée est armée, les Guinéens sont armés. Je vois des moutons qui ne comprennent rien de la politique, qui ne connaissent rien de la politique, ils vont dire oui, tout ça là c'est pour Mamadi Doumbouya. C'est pas pour Mamadi Doumbouya. Les armes que vous avez vues là, la fête de l'armée là, c'est pour la France. C'est pour la France. Ils ont donné les. Ils ont amené ça en Guinée, c'est pour s'attaquer au Mali, pour déstabiliser Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta aussi, quand on lui disait d'organiser les élections, c'est chaud, hein? Ça va chauffer. À partir de janvier, là, Donald Trump va s'asseoir. Ah, vous allez organiser les élections. Donc, quand on vous disait là qu'on ne peut pas venir prendre un pays en otage, c'est auto-réclamé président de la République pendant 5 ans. J'ai dit ici, là, je mets au défi tous les grands intellectuels du monde. Est-ce que Assimi Goïta était légitime de changer une constitution? Je dis non. Est-ce que Ibrahim Traoré est légitime de changer une constitution? Je dis non. En Guinée, Doumbouya est calé. Pourquoi? Parce que il a prêté serment avec le Coran. Il a remis des copies où il a signé les 10 points. Il a remis les copies à la communauté internationale. Sinon, Doumbouya allait présenter ça à dépit. Tu les entends. Ils ont tellement les gros mots en français. Maintenant, ce n'est pas la transition, c'est refondation de l'État. Donc, les Seloudalens et RPG, là, IFR, vous aussi, organisez-vous. Vous aussi, vous allez dire que c'est la nouvelle transition de la Guinée. Nouvelle transition de la Guinée, janvier, c'est tout. Prenez votre responsabilité, tous les leaders là, tous les grands politiciens de la République de Guinée. Selon eux, ils sont en train même d'organiser pour arrêter Sélou Baldé. Ils organisent le nid où Sélou Dalé et Sélou Baldé nous va dans les campagnes Sélou Dalé. Le grand frère Sélou Baldé, donc, il n'a qu'à faire beaucoup attention. Donc, il me prépare le dos. Fino, il accusera moi, il d'arne moi, il va t'y faire le dos. Quand tout le monde est pris dans Sélou Dalé, nous va des campagnes vers la Guinée, nous renforcer les IFDG, bah, au Sélou Dalé. Quand on est au dehors de Sélou Baldé, il va avoir de pire d'info pour lui accuser de convocation. Donc, bref, quand on est falant au langue carré, le grand frère Sélou Baldé, il va avoir beaucoup attention. Les gens là, c'est des criminels. Ils n'ont pas de sentiment pour le pouvoir. Ils ont goûté l'argent facile, tout ça là. Mais on va vous déloger. Vous êtes venus par les armes. On va utiliser les armes aussi pour vous déloger. Ça, je mets ça par décret pour Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, je t'ai dit ça par signature. Tu es venu par les armes. Si tu ne reçois pas ta parole, on va t'enlever aussi par les mêmes armes que tu as utilisées là. C'est pas compliqué. La démocratie en Guinée, il faut t'armer, tu déloges celui qui a la tête. Tu vas à la RTG, président de la transition. Après 1 an, président de la République. Tu nommes toute ta famille.
comme ce qui se passe en Guinée, Mali, Burkina, c'est la même chose, c'est le système. Le coup d'État est devenu du business maintenant en Afrique de l'Ouest. Le coup d'État est devenu du business maintenant en Afrique de l'Ouest. Quelqu'un se lève le matin, il prend les armes. Poum! Il occupe le pays, il fait ses décrets, il est président de la République. Vous faisiez trop rire. Attendez Donald Trump, le mois de janvier, vous allez lire l'air.